Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons traiter de la cuisson à la meunière. Meunière, la femme du meunier. Le meunier, il presse le blé pour faire de la farine. Donc traditionnellement, c'est une cuisson base de farine. Je vais faire la truite à la meunière telle que on me l'a enseignée à l'école de cuisine il y a 35 ans. Quels sont les éléments pour faire une truite meunière? Évidemment, on vient d'en parler, de la farine et des truites. À ça, vous rajoutez du beurre en quantité, 100 g minimum, du citron, un pain de mie non tranché qui vient de chez le boulanger, du persil pour la décoration plus tard. Procédons maintenant à la réalisation de ce plat. En premier lieu, nous allons couper le pain de mie avec un couteau à dents, bien sûr, pour le pain. Nous allons couper des tranches d'un centimètre à peu près pour fabriquer des croûtons. A tout de suite. Voici les croûtons découpés, un centimètre de côté à peu près. On va procéder de la même avec les citrons. Donc on fait ça, on les enlève la peau et on va en fabriquer des cubes. Nous avons notre garniture citron crouton. Là, on va mettre de la farine sur les truites qui, évidemment, ont été évidées, nettoyées, rien de plus. Et on peut procéder à la mise en cuisson. Donc on allume notre poêle, on y met dedans une grosse quantité de beurre, à peu près 70 g. On fait attention, le beurre, ça peut noircir très vite. Donc il faut le maintenir chaud, mais pas en train de brûler. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de sel à l'intérieur de la truite, ou un petit peu de poivre, ou l'un ou l'autre, ou une petite épice, mais pas trop. C'est le beurre qui compte. Et ensuite, on pose la truite dans le beurre, comme ça. On met à feu doux, et on va laisser cuire 10 minutes. Et au bout de 5 minutes, on va les retourner. A tout de suite. J'ai retourné au bout de 5 minutes. Je les débarrasse. Et j'y ajoute immédiatement dans la poêle les croûtons et les citrons coupés en dés. Tout ça, ça va imbiber le beurre. On va mettre un peu de feu. En attendant, on peut commencer le dressage éventuellement des légumes, des pommes de terre par exemple. Tourner à cette face. Là, ce qui se passe, c'est que le crouton absorbe le beurre, le citron chauffe, libère du jus qui est absorbé à son tour par le crouton. Tout ça, ça va faire une petite garniture ici. Vous levez le filet, vous mangez la truite avec un petit crouton, un petit morceau de citron. C'est un délice. Vous me laissez 20 secondes pour finir la cuisson de ça. Voilà, c'est bien cuit. Alors, on débarrasse tout ça. On débarrasse pas, on dresse là. Ici aussi.
On remet la poêle, un petit coup de beurre à fondre. Le persil qui va dessus, ça parfume toujours. Et là, toujours la finition. Nappez légèrement la truite avec un beurre chaud. Alors oui, je sais, ça fait de la calorie. Mais croyez-moi que ça, à déguster, pour ceux qui aiment le poisson, c'est une vraie tuerie. Les amis, on garde la pêche? Alors, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?